peux dire bonjour, bande de petits coquins. Alors aujourd'hui on se retrouve à la Paris Games Week. Aujourd'hui c'est une émission spéciale, on va se balader autour du stand Xbox avec toutes les infos de la semaine. On commence avec les Game with Gold. Sur Xbox One, ce sera Pneuma et Night Squad. Et sur 360, Dirt 3 et Dungeon Chase 3 seront disponibles. Et n'oublie pas, grâce à la rétrocompatibilité à partir du 12 novembre, double ration pour les joueurs de Xbox One, on aura les jeux 360. Et nous on va aller se balader autour de Halo 5 Guardians. C'est parti. Allez. Alors pour commencer, sachez que vous pouvez venir tester Halo 5 Guardian juste derrière moi. Il va falloir vous entraîner puisque les Xbox Elite Series commencent. Pour ça, la compétition est ouverte sur Halo 5 et Forza 6. N'hésitez pas à aller sur le lien juste en dessous pour vous inscrire. Et tenter de décrocher 100 000 euros de cash. Price. Oh. T'as besoin de coaching, non? Ah ouais. Ouais. Alors comme vous l'avez deviné, on se retrouve sur le stand de Rise of Tomb Raider qui est absolument magnifique. La déco est super et en plus on a vu un gameplay de combat qui a été dévoilé il y a quelques jours. T'es plutôt quoi? Infiltration ou bourrin? Bah bourrin à la base, et toi? Non, moi je suis infiltration. Ah ouais? Bah oui. En tout cas, il y a plein de cadeaux à gagner, notamment le t-shirt. Mais surtout le mousqueton. Si tu m'emmerdes, je t'accroche au plafond. Terminé. Parmi les nombreux jeux qu'il y a sur le stand Xbox One, on retrouve aussi Forza 6 Motorsport. On peut y jouer avec un siège baquet, le volant, les pédales, la classe. Et la grosse excuse, c'est que la manette Elite est sortie cette semaine. Alors si vous voulez tester Forza 6, dépêchez-vous, il y a plein de nouvelles options possibles grâce à cette manette. Avec cette manette Elite qui envoie du pâté. Moi, je veux essayer, moi. Eh ben, allez, parti. Derrière nous, il y a les jeux ID at Xbox avec Cuphead, Anarchute et plein d'autres. Ouais, vous pouvez aussi tester Gigantique du studio Motika. Il y a aussi la collection Rare Replay avec 30 jeux et notamment Banjo-Kazooie et Battletoad. Et juste derrière moi, vous voyez le logo Windows 10 parce que le 12 novembre, la nouvelle interface va sortir. Et dès aujourd'hui, vous pouvez tester la bêta de l'application Xbox et en plus, avec cette mise à jour, importer vos contacts Facebook. Allez, tape mon 5. Évidemment, il y a plein d'autres jeux à tester comme Quantum Break qui sort le 5 avril et FIFA 16. Si vous n'avez pas eu la chance de venir ici à la Paris Games Week, il y a les bons plans Gold avec des réductions sur Plants vs Zombies, Garden Warfare, Titanfall et plein d'autres. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook avec le hashtag Xbox TV. Bon. On va se faire tatouer ? Allez, c'est parti. Est-ce que si je me mets en bleu, je peux remplacer Cortana ? Dites oui, parce que alors là, après je me fais engueuler. Ouais, ouais. Et ça, c'est bon.